Et salut les amis, c'est Bubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans PES 2021 pour un nouveau jour de match. Et nous ne sommes pas en Ligue 1, mais en Coupe de France, un quart de finale de cette Coupe de France qui va se jouer dans quelques heures au moment où je fais cette petite vidéo avec une formation du Paris Saint-Germain qui va accueillir l'Angers, le SCO d'Angers, hein, dans son magnifique stade qui malheureusement n'est pas modélisé, vous le savez. Alors le PSG est tombeur de Lille en 8e de finale, mais également de Brest en 16e et de Caen en 32e de finale. Quant à Angers, ils ont notamment battu Sedan en 8e de finale. Le club franciscain, c'est-à-dire le club martiniquais, hein, Martinique, moi c'est mon origine, donc ils ont battu en 16e de finale, et Rennes, qu'ils ont battu en 32e de finale, donc un beau parcours pour ces deux équipes. Alors c'est vrai que pour Paris, ça a été un petit peu plus délicat, avec notamment Lille, mais ils ont largement battu cette équipe lilloise. Le score a été de 3-0, donc on va dire que ça a été quand même assez tranquille. Alors, vous l'avez noté, il y a eu également des matchs hier, hein, de Coupe de France. Malheureusement, je n'ai pas possibilité de les faire, hein, dans la mesure où les équipes qui étaient qualifiées ne sont pas présentes, hein, dans PES. Hein, je pense notamment au Canard-Roussillon. Voilà, ce sont des équipes qui ne sont évidemment pas dans la Ligue 1 ou la Ligue 2, donc impossible de jouer. Allez, pour cette équipe d'aujourd'hui, j'ai aligné les joueurs les plus en forme. Voilà. J'ai gardé un petit peu un 4-4-2 classique pour moi. J'aime bien jouer comme ça. On verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, on va se donner à fond pour essayer de se qualifier pour les demi-finales de cette compétition. Allez, c'est parti. Florenzi. Di Maria. Allez, j'ai besoin que tu partes, s'il te plaît. Il tente de la jouer dans l'espace. Mbappé qui récupère. Qui lève la main. La tête. Ouh là 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 là, c'est Neymar qui était derrière. Alors, belle équipe d'Angers. Hein. C'est une équipe qui est... vaillante, ça fait plaisir vraiment. Rafinha. Allez, Rafinha. Qui a du champ, Rafinha. Rafinha qui veut se projeter. Ah, j'ai voulu servir Verratti, mais je me suis un petit peu bourré. Verratti. Le tir de. Oh là là, le tir complètement raté de Verratti là. Beaucoup de cafouillage, hein, dans ce début de match. Alors, c'est vrai qu'on a eu la balle plusieurs fois, mais là. Je sais pas comment il a pu rater son tir à ce point quand même. Ah ouais, là c'est pas mal, c'est pas mal. On est... Ah, ça fait plaisir d'entendre les supporters, là, le chant des supporters. Ça manque tellement. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, il y a quelques jours, c'était quoi comme match, je sais plus lequel. C'était au Parc des Princes et il n'y avait pas du tout d'ambiance en fait. Il n'y a même pas les sons, vous savez, les sons virtuels. C'est assez bizarre, c'est très très bizarre. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer. Dans la profondeur, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. J'ai vraiment intérêt à me concentrer là, parce que là je suis pas du tout dans le truc. Ah, on a raté tellement de choses pour l'instant. C'est un match évidemment à ne pas perdre. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Un match à élimination directe. Allez, on fait du mieux. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, et c'est but. Et c'est but. Allez, on va le retirer le maillot. On va le retirer le maillot pour une fois. Ça va faire carton jaune, mais c'est pas grave. On va le retirer. Ah oui, oui, franchement. Belle petite action. Alors, pas la plus merveilleuse, pas la plus flamboyante, mais ça fait but. Et dans un match comme celui-ci, en quart de finale, le contrôle est magnifique en tout cas. Hein. Ça compte énormément. Ah oui, Neymar, le petit contrôle qui va bien. Allez, on se prend son petit carton jaune, c'est pas grave. Est-ce qu'on a eu une carton jaune? Ah oui, on a eu. Le score, maintenant il faut pas laisser l'adversaire revenir. Ah, attention, maintenant on n'a plus le droit à l'erreur avec Neymar. Mais ça suffit à leur bonheur. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Toujours pas d'action du côté du SCO. Alors, j'en profite pour saluer mon ami Joey. Je ne sais pas si tu vas voir ce match, mais en tout cas, Marco Verratti. Ça fait plaisir de voir nos deux équipes s'affronter. Il allonge vers l'avant.
Alors, je vais quand même glisser un petit mot hein, sur les secousses avec Oufal. Qui sont en train d'arriver là avec cette Super League. On l'avait entendu avec pas mal de débats déjà dans les médias. Ils sont en train tout simplement de tuer une institution, la Ligue des Champions. C'est quand même assez fou. C'est quand même fou, vraiment, vraiment dingue. Alors évidemment, chacun aura son avis. Hein. En ce qui me concerne, moi, je trouve que la formule la Ligue des Champions méritait effectivement une petite refonte. Mais aucunement le départ de 12 équipes. Alors, c'est pas encore acté à 100% et j'espère qu'il y aura une solution. J'espère surtout qu'ils ne vont pas déclarer le PSG gagnant par rapport à toutes les équipes qui seraient éventuellement disqualifiées. Ce serait complètement con et ça retirerait tout le mérite et ça n'aurait aucun sens. Mais c'est vrai que pour les prochaines années, ça va être compliqué si jamais on doit jouer entre ces 12 équipes. Voilà. Où sera l'intérêt? Alors que là, Angers est en train de m'humilier, tout simplement. Ah là, c'est joli ce qu'ils ont fait. Allez, 43ème minute, on va essayer de porter une petite attaque avant la mi-temps. Oh là, super la passe, hein, magnifique. Complètement nul. Allez, monsieur l'arbitre, on siffle, s'il te plaît, merci. C'est bien fait. Allez, bien joué, Rafinha qui n'arrive pas. Allez, on va dégager. Et ça va être la mi-temps. Score 1-0 avec ce petit but de Neymar. Pour l'instant, ça nous suffit. Maintenant, effectivement, il en faudra plus. Hein. Alors, vous l'avez également montré dans l'autre demi... non, pas demi, quart de finale de cette Coupe de France. Il y aura Lyon contre Monaco. Et je vais également poser évidemment ce match. Possession, elle est pour le SCO, hein, bizarrement. On a tiré seulement deux fois un seul tir cadré. C'est pas énorme. C'est vrai que c'est, on va dire, un match plutôt détente. Hein, là, clairement, on sent bien que... Le jeu a déjà repris. Et voilà une avance qui va. Allez, sur le côté, c'est Bouffal. Qui se fait prendre la balle. Bien joué, messieurs. Verratti. Pour Kurzawa. Kurzawa avec Neymar. Neymar qui trouve ou pas Mbappé. Mangani. Diony. Et on va essayer de bloquer cette course. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Attention à Diony. Attention à Diony qui se met en position, et c'est une faute. Attention, ça peut tirer tout de suite, on fait attention. Ouh, c'est chaud, je vais prendre le gardien manuel, hein, parce que là, sinon, on se prend un but, hein, à coup sûr. Alors que il y avait faute. Clairement, il y avait faute. Ah, j'ai intérêt à choisir le bon côté. Hein. Je ne sais jamais trop dans quel côté ils vont tirer. Ouh, c'est chaud, c'est super chaud. Petit frisson, hein, là, au niveau du public. Alors que Navas avait quand même glissé, hein, donc c'était quand même assez chaud. Alors, petite tactique là du côté du SCO d'Angers qui va la jouer au point de pénalty. C'est repoussé, bien repoussé. Pas suffisamment malheureusement. Et c'est un corner. Ça y est, le SCO se réveille. Le SCO se réveille après avoir eu la possession en première période. Là, ils sont en train de sortir les crocs. Peut-être une belle action pour eux. Peut-être un tir direct. Ouh là 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 là, attention. Ouh, c'était chaud. Aïe. Attention, avertissement. Là c'est clair. Là c'est très très clair. Ils sont en train de se réveiller. Et il faut réagir tout de suite. Un deuxième petit but serait vraiment vraiment très bien. Alors je vais également en profiter. Oui, j'ai bien parlé aujourd'hui. Pour vous remercier, vous êtes désormais près de 850 sur la chaîne, c'est quand même assez énorme. C'est énorme. Merci à vous, alors pas encore 850, hein, mais merci mille fois à vous, c'est assez fou, je suis très très heureux. Et j'espère rapidement arriver aux 1000 abonnés, pourquoi ? Ben, pas pour toucher de l'argent, hein, comme certains peuvent éventuellement le penser. Parce qu'on ne touche rien du tout. Surtout, pour accéder à la page communauté, qui sera pour moi très importante, dans la mesure où je pourrai vous consulter directement. Attention, pour avoir votre avis sur les affiches que je dois faire. Donc, ça peut être intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me tient évidemment énormément à cœur, alors qu'il a récupéré cette balle. Bravo. On est resté en place, et Navas qui récupère. C'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Aïe. Ils sont en forme, hein. Les Angevins.
Allez, une balle récupérée là par le SCO. C'est donc un double changement, hein, qui fait un très bon travail. Hein, là, ils sont bien en forme alors que Rafinha a laissé sa place à Sarabia. Vous voyez la possession, elle est angevine, hein, 57%. C'est pas courant hein, que le PSG se fasse dominer par une équipe de Ligue 1. Attention, Mbappé va pour un petit carton, je sens le petit carton, non, l'avertissement verbal, monsieur l'arbitre a été clément, merci monsieur l'arbitre, cette petite clémence, parce que là je pense que ça aurait mérité un petit carton, genre, clairement, allez, Kylian Mbappé qui conteste, mais c'est comme ça. Par contre, ah oui, j'ai cru que c'était le goal qu'il y avait tiré, ce... C'est possible, c'est trop loin. Un long ballon vers l'avant. Allez, sur le côté, on va développer ici. Avec Neymar qui part comme une flèche, qui va temporiser, qui va appeler de la rescousse. Avec Paredes sur l'axe, qui Sarabia. Passe à Sarabia, Paredes qui passe à Kurzawa. Verratti. Allez, on va essayer d'avancer là avec Kurzawa. Il voit qu'il lève la tête, qui essaie de centrer, centre tendu malheureusement contré, et c'est un corner. C'est le premier hein, de la partie pour le Paris Saint-Germain. On va essayer de le tirer à ras de terre, ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave. Avec un ballon récupéré par les Angevins, qui peut faire une contre-attaque intéressante peut-être. Ah ben non, encore 10 minutes de jeu, toujours 1-0, hein. C'est pas le match flamboyant auquel on pouvait s'attendre, clairement. Il n'y a pas le score. Donc. Et même le SCO se défend très très bien. Bravo à cette équipe. Alors que monsieur l'arbitre siffle faute en faveur du SCO. On s'achemine tranquillement vers une victoire avec la plus petite des marges. On verra bien ce qui va se passer d'ici là. C'est pas impossible que le SCO égalise, hein, franchement. Ce serait même clairement mérité. On n'a pas été. On n'a pas eu forcément la tête à se donner à fond. Oula, petite tentative là de retourner de la part. Du joueur du SCO, j'ai voulu lancer sur le côté pour Mbappé, mais c'était compliqué. Allez, Kira qui va lancer. Di Maria qui avance. Di Maria qui va centrer, il va pouvoir centrer Di Maria. C'est Di Maria qui centre. Ouh, c'est joli ce qu'il a fait, la petite extérieure du pied là, mais malheureusement il n'y avait personne. Mbappé était en retard. La longue passe, il peut en profiter. Allez, encore une petite attaque du côté d'Angers cette fois-ci, qui facilement va arriver. Attention, on reste sur nos appuis, on reste là, présent. Bravo, Verratti, 5 minutes d'arrêt de jeu, c'est beaucoup, ça nous laisse du temps pour éventuellement placer une petite attaque, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, c'est Angers qui récupère la balle, Angers qui part sur le côté avec Doumbia, qui essaie de la passer, donc il la passe à Amadou sur le côté pour Thioub. Tube qui se fait prendre la balle, bravo. Qui a déjà marqué aujourd'hui. Ah, j'ai voulu lancer Di Maria, mais c'était compliqué. Et on en reste là. Petit score hein, pour ce match. 1-0, petite victoire, mais victoire quand même. Et du coup, qualification pour les quarts de finale de cette compétition de la Coupe de France. Mais écoutez, voilà, on va dire satisfaction, pas maximum, mais bon, on a fait le boulot. Sans trop se fatiguer, je vous rappelle que dans quelques jours, on a un match très important. En Ligue des Champions, alors, ce ne sera pas tout de suite, mais il faudra battre au City si éventuellement ce match évidemment se joue par rapport à la Super League. Alors, possession 47%, on a un petit peu rétabli la balance avec 3 tirs tentés du côté du SCO, 2 cadrés, seulement 2 tirs pour nous, c'est pas énorme. On n'a pas joué en seconde période, hein, tout simplement, on a beaucoup parlé, mais pas beaucoup produit de jeu. Neymar élu homme du match. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite rencontre. Alors merci encore hein, d'être de plus en plus nombreux, je vous invite à liker évidemment et à vous abonner, et je vous dis à très très bientôt déjà pour le prochain match de Coupe de France entre Lyon et Monaco. Ciao ciao. Hey, vous êtes encore là et ça c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine.